Bonjour YouTube, dans cette vidéo je vais te montrer comment avoir les 3 starters dès le début de l'aventure au bout de quelques heures. Il n'y a pas besoin d'avoir 2 consoles, il n'y a pas besoin de quémander à ton ami ouais tu peux me donner ton starter, bref tu peux te débrouiller tout seul assez rapidement. Il y a quelques étapes à faire mais tu verras c'est pas compliqué et je vais essayer de te montrer que je peux les obtenir assez vite aussi de mon côté. En tout cas je t'invite à liker et t'abonner à la chaîne YouTube parce que ça fait plaisir, merci beaucoup à vous. On est bientôt 100 000 abonnés donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent, je compte sur vous les gars. Bref, première chose à faire les gars, il faut aller du côté de Porto Marinada, du côté du phare les amis. Donc c'est côté gauche de la map, le phare est ici, vous allez là-bas et vous essayez de trouver un métamorphe. Donc je vous ai sorti une vidéo hier, comment avoir un métamorphe les amis, c'est pas compliqué, il suffit de regarder tous les Pokémon en détail et de regarder s'il n'y en a pas un qui s'appelle métamorphe. Puisque métamorphe c'est un Pokémon qui prend l'apparence de n'importe quel Pokémon, donc regardez, là c'est un métamorphe. Tu vois, là, normalement, c'est marqué Talmorph, mais c'est marqué Métamorphe, tu as Talmorph. Et c'est marqué Métamorphe parce que c'est un Métamorphe caché. Une fois que tu as trouvé ton Métamorphe, tu rentres en combat avec lui, tu vois que c'est bien Métamorphe, et bah tu as plus qu'à le capturer. Bonne chance parce qu'il est un peu rouleau à capturer, je trouve. Bon, moi, je vais essayer de faire le combat parce que j'ai déjà capturé mon Métamorphe, même si je vais galérer, je pense, à faire le combat. Allez, tac, tac, tac. Ok, c'est bon, je fuis les gars, maintenant que tu as ton métamorphe, que tu l'as avec toi, c'est pas compliqué, tu te diriges dans la ville principale, la grande ville. Alors, elle est où déjà cette ville? Je ne sais plus, parce que moi la map, elle est là. Une fois que tu vas ici, je t'invite à aller du côté ouest, Messaledo ouest, et il n'y a plus qu'à trouver une boutique, les amis. Il n'y a plus qu'à trouver une petite boutique. Je crois que ça doit être dans la place principale, après je connais pas la map, donc je sais pas si... On va regarder où c'est que c'est. Il y a une boutique très intéressante, les gars, à trouver. C'est une boutique de bouffe, les amis. C'est un espèce de restaurant, les gars. Et je sais pas trop où il se trouve, ce restaurant. Alors, tac, tac, tac. Il serait pas au niveau de la place centrale. Est-ce que ce serait pas ça, le resto, tu vois, là? Est-ce que ce serait pas ce truc qui est juste en dessous, là? Ça m'a l'air d'être un truc à sandwich, hein. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est pas mal. Je pense, les amis, qu'on est pas mal. Ok, bienvenue chez Club Sandwich. Alors, qu'est-ce qu'il me vend, lui? Aura, voilà ce qu'il nous faut, les gars. Regardez, 850 aura œuf niveau 1, les amis. Donc, tu m'achètes, tu dois acheter un sandwich où il y aura un aura œuf dedans. Donc, par exemple, tu prends le sandwich à la confiture et hop. Entendu, je vous en commande juste un instant. Voilà, il faut absolument que tu prennes quelque chose, un sandwich qui augmente l'aura pour avoir des œufs en fait. Parce que sinon, tu vas prendre du temps, ça va être long, tu vois. Et là, ça va te permettre de gagner beaucoup de temps. Plus l'aura est évoluée, c'est-à-dire là, j'ai un aura 1, plus l'aura est évoluée, du coup, plus ça va être rapide pour avoir des œufs. Une fois que tu as fait ça, c'est pas compliqué, tu sors de la ville. Maintenant, il n'y a plus qu'à sortir de la ville. Tac, tac, tac. On va sortir d'ici, gros. Tac, on va peut-être aller plateau réel est. Bon, tu vas où tu veux. Tu vas où tu veux, là, sur la map, on s'en fout. Mais tu sors de la ville. Tu vas faire un petit pique-nique, mon pote. Tu vas faire un pique-nique. Ok, c'est pas compliqué. Vous allez voir comment avoir les 3 starters rapidement. Et, voilà, si t'as pas besoin de te dépenser pour 2 consoles, c'est complètement con. C'est-à-dire, voilà. Bref, les amis, une fois que tu es là, tu déplaces tous tes Pokémon, tu gardes juste le Pokémon starter que tu as pris toi, ton starter, et tu gardes ton métamorphe que tu viens de capturer. C'est pas mal, une fois que tu as le combo, c'est parfait, tu te poses, tu trouves un bon petit coin et tu pique-niques. Tu pique-niques, c'est parti, et tu te fais plaisir, t'envoies juste tes 2 Pokémon, ton métamorphe et ton truc. T'as un aura t'as un aura niveau 1 pour les œufs, ça dépend vous à combien vous êtes. Et vous n'avez plus qu'à attendre, une fois que vous avez mangé, que vous avez vos 2 Pokémon, vous n'avez plus qu'à attendre. Vous jetez un œil dans le panier semble vide pour l'instant, et logiquement, d'ici quelques minutes ou quelques secondes, on devrait avoir un petit œuf dans le panier. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire un time-lapse, à attendre quelques secondes, et on se retrouve dès qu'il y a un petit œuf, les gars. C'est bon, les gars, 30 secondes après, il y a un œuf de Pokémon dans le panier, souhaitez-vous le prendre? Let's go! Je l'ai récupéré.
On va attendre encore un petit peu, les gars, une fois qu'on a pris le premier, on va attendre parce qu'il m'en faut un deuxième. Parce qu'il n'y a pas un Pokémon, il n'y a pas deux starters, mais il y en a trois. Ok, c'était un petit peu plus long que prévu finalement, mais j'ai quand même récupéré mon deuxième œuf, les gars. Donc c'est bon, on a nos deux œufs. Hop, tu mets fin à ton pique-nique. Allez, tout le monde, c'est terminado. Et regardez, les gars, j'ai Métamorph, Croco Grill. Et normalement, j'ai mes deux œufs, les gars. Deux starters. Que tu as récupéré tes œufs, et bah t'as plus qu'à les éclore, gros. T'as plus qu'à les éclore, ça va vite. Ça va vite, tu marches un petit peu. Moi j'ai juste marché tranquillement, j'ai marché 2 minutes. Et ça y est, j'ai mon premier œuf de Chochodile. Ça fait plaisir, je suis content. Hop, mon premier œuf est éclos. On va essayer d'éclore le deuxième. Comme ça, je pense que ça va aller vite d'éclore le deuxième. Je pense pas, bah voilà. Ah non, c'est un Pokémon. C'est un Pokémon, je pensais que c'était l'œuf qui avait éclos, mais non, c'est un Pokémon. Et une fois que tu as éclos tes œufs, c'est plus simple. Pour la dernière étape, et bah, t'as plus qu'à trouver quelqu'un qui a pris un autre starter et qui est partant pour... j'ai éclos mon deuxième œuf, qui est partant pour faire tes échanges. Tu as 3 starters feu. Il te faut l'herbe, Poussacha, il te faut celui-là, le canard de type eau. Et bah t'as plus qu'à trouver quelqu'un qui a fait des œufs de ces Pokémon-là et de les échanger contre les Pokémon que tu viens de faire toi. T'as plus qu'à trouver des échanges, enfin quelqu'un avec qui les échanger, donc soit tu vas sur Discord, soit tu vas sur YouTube, tu trouves des personnes qui ont pris les autres starters, t'as plus qu'à les échanger, et comme ça tu te retrouves avec tes 3 starters, bah les 3 starters dès le début du jeu, au bout de 2 heures de jeu, et ça t'évite d'acheter une deuxième console, c'est moins coûteux, et c'est aussi bah, c'est pas compliqué, c'est rapide, ça m'a pris 10 minutes à faire, et une fois que t'as fait ça, t'as plus qu'à trouver quelqu'un avec qui échanger. Bref, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, les amis. Prenez soin de vous. Ciao.